Igor Tudor, ouais, je me suis trompé. Voilà, bien sûr, tu t'es trompé. Quand t'as fait rentrer Kolasinac, Kolanik le match, il nous a tué le match. Comment t'as Payet sur le banc? Voilà, tu peux faire rentrer Kolasinac. Mais encore, ça va, les gars. Tu fais rentrer Kolasinac. Au bout d'un moment, tu te rends compte ta boulette. Tu fais rentrer Payet. Il fait rentrer qui derrière? Kabore. Charles Aznavour, Kabore. Voilà, les gars. Tabouret, il faut le laisser sur un tabouret, lui. Charles Kabore, il a vraiment joué à Manchester City, les gars. Cet escroc, cet imposteur. Oula, je vais aller à Manchester City. Je vais aller au siège du club et je vais leur demander, espèce de fraude, sale menteur. Kabore, Kolasinac, nul. Donne une chance à Bamba Dieng, tu dors. Tout seul en pointe. Sanchez, ça va le faire réfléchir. Oula, ça va le faire. La team, tous ceux qui veulent me contacter pour de la publicité ou quoi, les gars, pour mettre vos business, vos commerces et vos e-commerce à l'abri, il y a un seul compte Snap, les gars, il est ici. Ajoutez la team, les réponses seront très rapides. N'hésitez pas, les gars, sur la vie de ma mère, tous ceux qui veulent mettre à l'abri leur business, vous comptez là, il y a un seul Snap, les gars, pour me contacter, à vous comme à moi. Tu vas sur le lien, tu remplis tes infos, le nom de ton entreprise et derrière, tu auras vite une réponse. Ça permet de faire le tri entre les demandes. Ça me rappelle les meufs. Ouais, je vais faire un grand tri dans ma vie. Va faire un tri dans ton vagin, grosse folle. Ton vagin laïque, il y a tout le monde qui rentre. Donc voilà, les gars, le lien Google, vous allez dessus. Ne soyez pas complexés. Ça répond à tout le monde. Pour mettre la famille à l'abri, j'ai décidé de prendre de grandes mesures, les gars. Voilà, enfin, je me suis équipé. Ça a pris du temps. J'attendais de trouver les bons trucs, les gars. Là, vous voyez, là, c'est un tracker. Je vous en parlerai tout à l'heure, les gars. Les trackers, c'est ici. Et là, les gars, surtout ça. Caméra espion, les frères. De chez Inspector Gadget. La vie de ma mère, les gars, vraiment. Site spécialisé en tout ce qui est caméra espion, les trackers. Il y a vraiment tout sur le site. Là, j'ai pris cette caméra, les gars. Pourquoi j'ai pris ça? C'est surtout pour le garage, les gars. Voilà. La plupart des carjackings où les gens, ils aiment bien te faire te péter le garage. Des fois, il y a des motos dans le garage, des gros véhicules. Et le garage, il n'y a pas la Wi-Fi. C'est pour ça que j'ai pris cette caméra, les gars. Moi, je là, regardez les jours où je prends vraiment la team pour avoir les yeux de partout, les entrepôts, pas celle-là, les gars. S'en servir pour faire des choses mauvaises, les gars. Voilà, tu vas pas surveiller ta daronne, ta meuf ou des trucs comme ça. Voilà, pas de trucs malsains. Ça, dans une cabine d'essayage chez Zara. Non, les gars, attention, attention, les caméras espions, vous faites selon vos besoins. Voilà, les sens de bouche, peut-être chez ça, les gars, la sécurité, ça a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix, mais voilà, les gars, qu'il est abordable. Allez voir la team, jetez un coup d'œil. Ils sont super carrés, super pro. Je suis garant, je vous le dis. Il y en a beaucoup qui ont deviné, les gars. Oui, il s'agit d'un tracker. D'ailleurs, ceux qui connaissent, vous m'inquiétez, les gars. Parce que moi, là, les seules fois où j'ai entendu parler de tracker, c'est pour les règlements de compte et tout. Donc, les gars, c'est pas du tout pour ça. La fonctionnalité d'un tracker, ça peut aider dans le monde du travail. Un exemple, avec ce tracker, là, t'as l'aimant super mère. Tu peux avoir t'as une notification dans les suivis de marchandises pour suivre ton véhicule à toi. Si on te le vole, tu mets un tracker pour le retrouver. Ta moto, ta marchandise. Vraiment, les gars, avec ça, je me sens comme James Bond. Tracker, il est hyper complet, les gars. T'as où il a arraché, tu reçois une notif directement. Vraiment complet, la team. Après, faut pas s'en servir sur des trucs malsains. Hein. Je vois venir les mecs parano là. Ça va traquer leur meuf. Vraiment, les gars, toutes les personnes peuvent y trouver. Il y a un truc de fou. Là, vous pouvez récupérer votre matériel espion en main propre à Nîmes, Lille, Marseille, Montpellier, Paris et Rennes. Je crois Bruxelles aussi. Bon, après, il n'y a pas à Saint-Étienne, les gars. Il n'y a rien à Saint-Étienne, la vie de ma mère. Donc voilà, vous pouvez récupérer en même propre. Super carré, les gars. Là, vous swipez, vous allez sur le site, vous commandez, vous êtes livré en 2 jours ouvrables, les gars. En 2 jours, en 48 heures. Le livreur, c'est Mbappé, les gars. Vous allez voir. Et en plus, le site, c'est pas étonnant, c'est aussi bien passé. J'ai testé aussi. Donc voilà, la team. La caméra est dommage. Je suis tous les jours chez moi. Pourquoi vous dites ça? C'est pas des mythos, les livreurs, pas trouvés. Là. Il y a aussi pour tenter de les gagner, tu as juste à ajouter en story et tu l'emportes lequel, les gars. Le plus beau des. La plupart du temps, quand on demande à un Marseillais ou un Lyonnais quel est votre plus beau Olympico, ils répondent tous le 5-5 au stade Gerland, les gars, mais pas du tout. Perso, pour moi, le plus beau des Olympico, c'était en 2007 quand l'OM, ils ont battu Lyon 2.
La plupart du temps, quand on demandait à un Marseillais ou à un Lyon, le plus beau des Olympicos, c'était en 2007, quand l'OM, ils ont battu Lyon 2 à 1 à domicile. Et ce n'était pas le Lyon d'aujourd'hui. Hein. Lyon aujourd'hui, il pue la merde, hein. C'est Lyon la Duchère. Là, c'était le Lyon qui avait gagné 14 fois le championnat de France. C'était impossible de les battre à cette époque-là, les gars. Vous avez vu ce but de Niang, les gars? À la dernière seconde, c'était un 16e de finale de Coupe de France. Oh là, les gars, on dirait une ambiance de Ligue des Champions. C'était que un 16e de finale de Coupe de France. C'est pour vous dire, les gars, c'était incroyable. Lyon, il gagnait 1-0. L'OM partait sur une défaite. Tout le monde avait accepté la défaite. Et là, Pagis, à la 90e, Pagis, les gars, une légende. Pagis qui égalise. Et une minute après, Niang, dans le temps additionnel, qui met le 2-1. C'était pas à l'Olympique, c'était Volcanique de Marseille. C'était incroyable. Jonique, 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 Jonique.